Now I'm going to discuss how we would look for a new law. In general, we look for a new law by the following process. First, we guess it. Then we... Well, don't laugh. That's the really true. Then we compute the consequences of the guess to see what, if this is right, if this law that we guessed is right, we see what it would imply. And then we compare those computation results to nature. Or we say compare to experiment or experience. Compare it directly with observation to see if it works. If it disagrees with experiment, it's wrong. In that simple statement is the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guess is. It doesn't make a difference how smart you are who made the guess or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it. Salut. Alors aujourd'hui, si j'ai décidé d'introduire cette vidéo avec ce petit extrait de Richard Feynman sur les fondamentaux de la science, c'est parce que le monde audio est pourri, on va dire, de pseudo-sciences en tout genre. Et si ce principe exposé par Feynman était appliqué, il y aurait beaucoup de choses qui s'envoleraient comme par magie. Le fait que l'expérience, c'est ce qui dit si une hypothèse ou pas est vraie ou fausse, c'est fondamental en science. Alors, pour illustrer ça, on va s'attaquer à un mythe en audio qui est encore la vie dure, je comprends toujours pas pourquoi, c'est le mythe du bicablage. Alors, le bicablage, il y en a plusieurs sortes. On va expliciter les deux principales topologies du bicablage comparées au monocablage et on va voir si une amélioration est possible et si le comportement est bien valide en soi et s'il y a quelque chose qui justifie son application autre qu'une justification purement mercantile et un discours marketing. Alors, en recherchant un peu dans le discours, on va dire, appliqué au bicablage, on peut en gros sortir deux sortes, on va dire, d'explications à ce sujet pour justifier que le bicablage en soi. Il y a deux manières de voir principales dans le monde audiophile. Alors, la première manière, c'est la manière purement électrique. C'est celle qu'on va étudier après. Et la deuxième manière, c'est une autre manière qui est beaucoup plus anthropomorphique, qui est le fait que dans un câble, s'il y a une fréquence haute et puis une fréquence basse qui sont ensemble, qui transitent dans le même câble, la fréquence haute pourrait être dégradée par la fréquence basse ou des choses comme ça. Alors, c'est une vision anthropomorphique, tout simplement parce qu'elle n'a aucune réalité physique et ça n'a aucun sens. Et si on applique la logique de Feynman, si mettre deux fréquences simultanées dans un câble pouvait avoir une incidence d'une fréquence sur l'autre. Déjà, pourquoi ce serait la fréquence aiguë qui serait endommagée par la fréquence basse et pas le contraire? Ça, on ne sait pas. Mais, bon. Mais si cette chose était vraie, en fait, si on sort du petit périmètre du câble du haut-parleur, on serait incapable de faire un analyseur de spectre. On serait incapable de faire quelque appareil que ce soit qui pourrait supporter plus d'une fréquence à la fois. Parce que si on prend un analyseur spectral, on a un signal bourré de fréquences en même temps, et après ce signal est analysé fréquence par fréquence. Mais si le mélange des fréquences agissait l'une sur l'autre, à la fin, on aura un résultat totalement aléatoire et totalement impossible à maîtriser. Or, c'est absolument pas ce qui se passe. Ça veut dire que simplement que l'hypothèse de départ est fausse. D'une autre manière, un autre exemple. Si, par exemple, je prends un générateur BF qui envoie un signal carré. Un signal carré, c'est simplement une somme d'un fondamental et d'harmonique avec une phase et une amplitude judicieusement choisies, de sorte que la somme du tout fasse un signal carré. Mais si la somme de ces harmoniques s'interagissaient les unes des autres, simplement mettre la valeur mathématique de toutes ces harmoniques pour obtenir le carré, on n'obtiendrait pas un carré, on obtiendrait autre chose, parce qu'il y aurait une influence ici ou là, et ça poserait des problèmes. Or, c'est absolument pas ce qui se passe. On arrive bien à générer des signaux quelconques, arbitraires avec des générateurs BF, jusqu'à plusieurs dizaines de mégahertz, sans problème apparent. Donc, cette manière de dire qu'un signal d'une fréquence va agir sur un signal d'une autre fréquence parce qu'il transite dans le même conducteur, est de toute façon balayée par les faits. Ça n'existe pas,
Et pourtant, ça n'existe que en audio et que dans les câbles haut-parleurs où on fait du bicablage. Donc déjà, le fait que, de toute façon, dans la réalité, ça ne s'applique pas et ça ne se voit pas en dehors de ce contexte-là, sans aucune explication, on va dire, plausible, on peut déjà balayer d'emblée cette explication-là. Donc, on va étudier le côté électrique de ça et voir si le fait de passer en bicablage change quelque chose ou pas. Alors, d'abord, on va essayer de modéliser un peu le monocablage d'une manière simple et standard, facile à comprendre, et on va après expliciter deux versions du bicablage. Alors, le monocablage, on peut le prendre comme ça. On a un amplificateur qui sort quelque chose. Là, on est en sortie d'amplificateur. Ensuite, on met un câble. Alors, le câble, on va dire simplement, il se comporte comme une impédance inconnue. Et il va attaquer deux filtres. On va partir, par exemple, un exemple d'enceinte de voix. Deux filtres, un passe haut, un passe bas, avec chacun leur haut-parleur. Et ici, les deux filtres sont attaqués en bout de câble. Et ici, il y a un lien entre les deux filtres qui est suffisamment court pour supposer que ce lien-là n'a aucun jeu par rapport au câble lui-même. Et ici, admettons, on a le passe haut et ici, on a le passe bas. Et ici, on a les impédances. On a les impédances, on a les impédances dans les haut-parleurs. Quoi. Ce sont les haut-parleurs qui traînent ici, les haut-parleurs d'aigu et les haut-parleurs de basse. Voilà à peu près comment on pourrait modéliser un monocablage. Et si impact il y a, c'est forcément au niveau du câble que ça se passe. Donc c'est forcément au niveau de cet endroit-là qu'il y aurait une différence. Alors il existe deux topologies principales du bicablage. La première qui est la plus courante, c'est simplement l'enceinte qui a deux entrées. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans cette situation-là. On va avoir un câble ici qui va attaquer un des premiers filtres avec le haut-parleur. Et ici, un autre câble avec, pareil, une impédance et un haut-parleur. Alors ici, je symbolise ça, la masse, mais simplement, bon, il y aurait un câble ici de retour, mais simplement, cette impédance-là comprend les deux. Je pourrais mettre impédance Z/2, vu que le câble est, je suppose, symétrique. Il n'y a pas une grande longueur d'un côté et une petite longueur de l'autre, donc on peut ramener les deux portions de câble à une seule impédance, c'est tout à fait équivalent. Hein. Donc ici, la masse est supposée être parfaite, et tout le merdier que la masse pourrait ramener à l'ampli est... disons, unifié sur une seule impédance. Donc ici, on aura éventuellement deux impédances différentes si on utilise deux câbles différents, ce qui est souvent le cas chez les audiophiles. Ils aiment bien utiliser un gros câble pour les basses et un petit câble en argent pour les aigus. On va comprendre. Et ça, c'est une version. Il existe, alors donc c'est la version où simplement les câbles se situent entre l'ampli et les filtres et les haut-parleurs. Et il y a une deuxième topologie qui est simplement, les filtres sont directement mis en sortie d'ampli, directement comme ça, c'est-à-dire que cette section-là a, on va dire, un impact négligeable. Par contre, on a deux câbles éventuellement différents, avec une impédance d'un côté et une autre impédance de l'autre. Voilà, ça ce sont les deux topologies principales. Simplement le filtre, il est côté enceinte ou il est côté amplificateur. Mais on se retrouve toujours avec deux câbles, éventuellement différents, qui sont entre les deux, pour les deux trucs. Voilà. Alors on va regarder un peu électriquement quelle est la différence. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence fondamentale ici. Quelque part, là on a un câble et qu'on le récupère ici, en mettant un autre câble, déjà, il y a plus de cuivre quelque part. Donc ça doit bien se voir électriquement qu'il y a un conducteur de plus. Il y a plus de cuivre, il y a plus de choses, il y a des composants en plus qui sont appliqués. Donc on va étudier un peu la différence entre cette version-là et ces versions-là. Alors, pour retenir un peu le schéma, parce que je n'ai pas la place au tableau pour les conserver et faire les calculs, on va séparer. On va étudier
Simplement le cas monocâblage et le cas bicâblage habituel où c'est l'enceinte qui contient plusieurs prises, c'est-à-dire la première version. L'autre version, je ne vais pas l'étudier ici, mais on la simulera sur le simulateur. On va utiliser T-Space pour voir ce qui se passe. Je la simulerai, on verra que ça, la logique peut être tout à fait utilisée de la même manière, mais elle a aussi ses caractéristiques électriques propres. Donc, si ici je suis en monocâblage, là je suis en bicâblage. Okay. En monocâblage, comment ça se passe? Mais simplement, vu de l'amplificateur, il y a l'impédance du câble, ZC, qui peut être ce qu'on veut, et après, ben, une impédance que je nomme Z1 et une autre impédance que je nomme Z2. Alors qu'est-ce que c'est ça? Je vais noter Z1 et Z2. Z1 et Z2, c'est l'impédance de chaque section de filtre vue par l'amplificateur. C'est-à-dire que, vu de l'amplificateur, mon câble, je suis là, j'ai le ZC ici, j'ai mon câble, j'arrive au premier filtre, par exemple ici le passe-bas, et ici j'arrive au deuxième filtre, le passe-haut. Okay. Et ici j'ai le haut-parleur. Tout ce groupe-là est vu ici comme une impédance Z1. Le Z1 comprend à la fois le filtre et la charge du filtre. Z2, c'est pareil pour l'autre. C'est vu côté amplificateur, c'est-à-dire c'est vu des prises de l'enceinte. C'est-à-dire c'est une boîte noire, le filtre plus le haut-parleur donne des impédances Z1, Z2. Okay. Donc, voilà à peu près comment on peut modéliser le monocâblage. Le bicâblage, il n'est pas comme ça. Le bicâblage, je vais le mettre sous cette forme-là. Je définis Z1 et Z2 exactement de la même manière, c'est-à-dire comment sont vues chaque portion des filtres vues du derrière de l'enceinte, sauf que comme ils sont séparés, je me retrouve comme ça. J'ai les deux câbles qui sont éventuellement différents, ZC, Z'C, et le Z1 et le Z2. Voilà. Ici, j'ai la tension d'entrée, U0. Pareil, c'est la même. Ici, on est dans les mêmes conditions d'entrée. Ici, je vais avoir les tensions U1 au bord de Z1 et U2 au bord de Z2, c'est-à-dire les tensions qui déboulent à l'entrée des enceintes. Ici, on va les retrouver là. U1, et ici, on va se retrouver U2. OK. Et éventuellement, le courant qui rentre dedans, qui est séparé en un courant I1 et un courant I2. Ici, pareil, il y a un courant I qui déboule, et il y a un courant I1 et un courant I2 dans les deux qui rentrent dans les deux parties de l'enceinte. Sauf que dans le cas du bicâblage, les deux parties ne sont pas connectées ici, alors qu'elles le sont là. C'est simplement les straps à l'entrée de l'enceinte qui font cette liaison-là. En gros, c'est comme si le strap de l'enceinte serait quelque chose qui se mettrait entre là et là, avec ça qui correspondrait en fait à ça. Voilà. Fondamentalement, les différences qu'il y a entre les deux trucs. Alors, sans rentrer dans les calculs, il y a une différence fondamentale ici, qui fait qu'il n'y a pas de comportement totalement équivalent dans les deux configurations. Ici, de fait, la tension au bord des deux filtres est égale. Elle est égale à U1 qui est égale à U2, c'est-à-dire qu'il y a la même tension qui rentre à l'entrée des deux filtres. Dans le cas du bicâblage, ce n'est pas du tout garanti. Ils seront d'autant qu'ils seront différents que les deux câbles auront des comportements différents. Lorsqu'on a des fréquences où il n'y a qu'une seule partie qui fonctionne, côté passe-bas ou passe-haut, en fait l'autre partie disparaît et ça devient totalement équivalent parce que soit d'un côté on enlève une branche complète, soit d'un côté ici on enlève qu'une décharge. Donc on a quelque chose qui est totalement équivalent. Mais lorsque les deux haut-parleurs fonctionnent en même temps, c'est surtout aux fréquences de recouvrement, les deux vont fonctionner simultanément et là on a un comportement différent. Ici, on se retrouve d'une manière générale avec des tensions différentes rentrant dans chacun des filtres à l'entrée de l'enceinte. Simplement, d'autant plus que les deux câbles peuvent être différents en soi. Donc ça, c'est fondamentalement ce qui fait la différence entre le monocâblage et le bicâblage. Et le problème, c'est que c'est un défaut côté bicâblage. Pourquoi ? Ben, la raison, elle est très simple. C'est que
Les constructeurs d'enceintes, quand ils créent leur filtre, quand ils y conçoivent, c'est-à-dire le filtre qui attaque le haut-parleur, ce sont des entités qui sont faites selon certains critères. Les critères, c'est la courbe d'impédance du haut-parleur, la sensibilité du haut-parleur, la fréquence de coupure que l'on veut faire. Et lorsqu'ils conçoivent les filtres ensemble, les deux filtres doivent avoir des contraintes ensemble. C'est qu'ensemble, en sortie du haut-parleur, les niveaux doivent être équilibrés, la fréquence de coupure doit être bonne, etc. Or, quand ils conçoivent les filtres, ils n'ont aucune idée de ça. Ils n'en savent rien. Tout dépend de ce que l'audiophile va pouvoir mettre derrière ses enceintes. Donc, ils ne peuvent absolument pas calculer leur filtre en supposant la configuration du bicablage. Ils ne peuvent pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils conçoivent leur filtre en supposant que les deux filtres reçoivent la même chose. C'est cette configuration-là. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas savoir. Ou alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils fournissent les câbles avec les haut-parleurs. Comme ça, ils ont conçu les filtres en fonction des câbles qu'ils ont fournis. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas quelle longueur de câble il faut. Donc, ils ne peuvent même pas le faire. Ils ne savent pas comment les enceintes, combien elles doivent être écartées, etc. Où sont les amplis, etc. Ils ne savent pas la longueur. Donc, ils ne peuvent pas concevoir en mode bicablage leur filtre simplement parce qu'ils n'ont aucune idée des impédances qui vont, a priori, le faire. Si les impédances étaient négligeables et les filtres quasi parfaits, ça vaudrait 0,0. C'est exactement comme ça égale à 0. On a exactement la même topologie. Ça égale ça si les impédances ici sont à 0, évidemment. Simplement, ça, ils vont être reliés ici et on se retrouve dans la même situation. Mais si les câbles sont différents, et il n'y a aucune raison de penser qu'il ne le soit pas, on se retrouve avec deux situations, dont une ne correspondant pas à la manière dont les filtres ont été conçus, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, les filtres sont forcément conçus dans cet ordre, dans cette topologie-là. Donc, le bicablage est un problème, n'est pas une solution, ça ne résout rien à ce niveau-là, ça pose un problème. Et c'est ça la clé fondamentale qui fait que non seulement le bicablage n'apporte rien, mais en plus, il amène des problèmes. Alors, l'autre topologie, je ne vais pas la modéliser comme ça, l'autre topologie bicablage, c'est simplement, j'ai les Z et les Z, Z c'est ici et Z' c'est ici, sauf que ici, je vais rentrer dans le filtre, dans un sens ou dans l'autre, et ici, je vais avoir un... Non, c'est pas ça, je dis bêtise. On va rentrer ici dans les filtres, et ici, on va avoir le haut-parleur. Alors ici, ça ne va pas être... Alors ça, c'est le haut-parleur. Donc ici, je vais avoir le ZC et le Z'C. Et le Z, on va dire Z'1 et Z'2, qui sont les impédances du haut-parleur lui-même. Le filtre n'intervient pas dans ça. La différence avec ce Z1-là, c'est que ce Z'1-là, c'est l'impédance du haut-parleur. Et il ne comprend pas l'impédance du filtre. Alors là... Ça ne change pas grand-chose, tout simplement parce que ici, on n'est pas dans le problème ici où les deux filtres ne reçoivent pas la même chose. Ils reçoivent la même chose. Donc on n'a pas ce problème dans cette configuration-là. On a un autre problème. C'est que les filtres, ils ont été faits avec les impédances de ces haut-parleurs-là. Et ils deviennent invalides si on insère des impédances entre. C'est-à-dire que les calculs de filtres passifs sont extrêmement sensibles à l'impédance de leur charge. Et là, on a non seulement modifié, mais on a modifié de manière différente. C'est-à-dire qu'on ajoute une différence entre les deux, mais en plus, on augmente une disparité supplémentaire par le fait qu'elles ne sont pas forcément égales. Donc, c'est un autre problème, mais c'est un problème quand même. C'est-à-dire qu'encore une fois, on se retrouve dans une situation que le constructeur ne veut pas résoudre parce qu'il n'en a aucune idée, mais en plus... Ça fait que les filtres et les haut-parleurs ne sont a priori pas correctement corrélés, on va dire calculés l'un pour l'autre à cause de ça qui vient de se faire. C'est comme si on mettait par exemple une résistance en série avec le haut-parleur pour baisser le rendement de haut-parleur. Ça change complètement le comportement d'un filtre. Changer l'impédance d'un haut-parleur dans un filtre va changer la fréquence de coupure. Ça, il faut bien se méfier de ça. L'impédance de la charge influe beaucoup les comportements des filtres passifs. Donc ça pose un autre problème, mais ça pose un problème quand même. Et
Il y a, on va dire, une quatrième topologie qui est le double monocablage. Mais on se dit, ah, j'ai du monocablage, c'est de la merde. Putain, c'est de la merde, mon système va chier, je vais passer en bicablage. Puis je me dis, oh merde, c'est con, bicablage, de toute façon, ça va me foutre la merde. Non, électriquement parlant, ça. Alors je me dis, bah, maintenant que j'ai acheté mes deux câbles, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les deux câbles et puis je vais les relier. C'est-à-dire que je vais simplement faire un pont ici. Donc ici, je les relie. Et puis après, je me retrouve exactement comme la situation là. Sauf que mais j'ai mis les deux câbles en parallèle, quoi. Tout simplement. Donc ici, si le câble est essentiellement résistif, ben, j'ai diminué la résistance série du câble et j'ai en fait amélioré, on va dire, le rendement du système. J'ai les pertes globales continues que j'aurais ici si c'était purement résistif, ben, elles sont compensées par une section de câble plus grosse. Ça revient à changer de câble et mettre un câble plus gros. Bon, effectivement, oui, ça améliorerait éventuellement les choses. Mais il faut se méfier parce que les câbles audiophiles ont tendance à avoir le défaut à la con d'avoir des capacités réparties très importantes. Parce que, bah, par exemple, les câbles haut-parleurs à 4 conducteurs torsadés comme ça sont extrêmement capacitifs et les amplis n'aiment pas ça. Donc, on ne peut pas non plus foutre des câbles en parallèle comme ça et en foutre de plus en plus. Il y a quand même, c'est toujours un compromis. Mais souvent, dans ce style de montage à très basse impédance, c'est essentiellement la résistance série qui joue. Les capas sont extrêmement faibles, les self aussi. Enfin, les capas, elles jouent non pas sur la bande de passante et la courbe de réponse du système, mais elles jouent sur la stabilité des amplificateurs en beaucoup plus haute fréquence, là où les capas et les self viennent jouer. Mais sinon, cette topologie-là, c'est si on avait acheté des câbles pour faire du bicablage, puis qu'on se rend compte que le bicablage il a un problème congénital, que ce soit l'un ou l'autre, on se dit on va résoudre ce problème-là, le mettre, puis se remettre simplement en divisant ce qui passe souvent devant en bicablage, c'est-à-dire la résistance en série. Donc voilà, la conclusion de ça, c'est que le bicablage, ça amène un problème. Ce n'est pas électriquement équivalent, ça l'est d'autant plus que les câbles sont parfaits, en gros qu'ils n'ont pas de résistance, etc. S'ils sont parfaits, le bicablage ou pas ne change absolument rien à la topologie, hein, par le principe de superposition, tout simplement. Il n'y a pas d'influence d'une fréquence sur une autre, ça se mesurerait, ça se manifesterait par exemple sous une variation d'un niveau d'une. Si on met deux fréquences dans un câble et qu'il y avait un impact de l'un sur l'autre, alors soit on aurait, si on met deux fréquences de même niveau, on aurait en sorti des niveaux différents par exemple, ou on aurait de l'intermodulation, c'est de la création de fréquences supplémentaires qui sont des sous-multiples de différences des fréquences. De base, ce serait la distorsion d'intermodulation, mais mesurer la distorsion d'intermodulation d'un câble, je défie quiconque de réussir à trouver quelque chose. Et heureusement, parce qu'on ne pourrait même pas faire d'instrument de mesure si ça existait. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, le bicablage, non seulement. Il y a deux écoles au bicablage. Il y a ceux qui disent c'est génial, ça marche et tout. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas, ça ajoute plus de problèmes. Et il y a ceux qui disent c'est exactement pareil. Ce n'est pas vrai non plus. Électriquement parlant, ce n'est pas la même chose. Mais le bicablage est une dégradation des conditions de fonctionnement de l'enceinte. Car la conception de l'enceinte a été faite, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, sur le principe que les filtres sont attaqués avec la même tension. Ils ne peuvent pas savoir quelle va être la différence. Parce que ce qui leur pose un problème, ce n'est pas trop la valeur des résistances ici en soi, mais c'est la différence entre les deux. Le fait de mettre deux câbles identiques ferait que, en fait, ça ne changerait rien. Mais le fait de mettre des câbles très différents fait que, ici, on aurait vraiment quelque chose qui changerait encore plus. C'est-à-dire on augmenterait encore plus l'inégalité et l'incertitude sur ce qui rentre au niveau des filtres. Bon, en pratique, vu la faiblesse de ces charges-là, de ces résistances parasites, tout ça, en fait, c'est vraiment pas un problème du tout. Et vaut mieux investir son fric et son pognon à toujours pareil, acheter des meilleurs haut-parleurs et refaire sa salle et faire une acoustique correcte, plutôt que d'acheter des câbles qui ne servent à rien. Et surtout, par paire, surtout en nombre double, pour faire du bicablage qui est de toute façon un enfumage marketing qui ne sert qu'à vendre du câble et rien d'autre. Donc voilà. Alors, on va aller simuler ça. Ça et ça, et voir comment ça se présente et où ça se présente. Parce que si on réfléchit un peu ici, on voit bien que lorsqu'on n'est que d'un côté ou que de l'autre, ces schémas-là sont tout à fait équivalents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans les fréquences très basses,
la partie haute n'existe pas. Ça, c'est comme si c'était un circuit ouvert. C'est-à-dire que cette partie-là n'existe pas, mais on se retrouve avec ZC en série Z1, on se retrouve avec ZC en série Z1. Et réciproquement, dans les basses, on se retrouve avec ici Z'C en série Z2, ZC sur Z2. Alors, si les câbles sont différents, oui, il y aura une différence. Hein, si les câbles sont identiques, on se retrouve exactement dans la même situation. Donc, le bicablage est déconseillé avec des câbles différents parce qu'ils augmentent l'inégalité entre les deux entrées. Mais en plus, ils vont donner des caractéristiques vraiment différentes sur un des côtés, sur le côté qui contiendra le câble différent de l'autre, différent de celui qui avait à l'origine en monocablage. Donc, c'est quand même quelque chose qui est fondamentalement différent. Mais si on a utilisé les mêmes câbles de chaque côté, on a quelque chose de totalement équivalent de chaque côté des fréquences où il n'y a pas de chevauchement. C'est lorsqu'il y a du chevauchement qu'on sent qu'il va y avoir vraiment là un effet où les deux vont vraiment jouer d'une manière vraiment particulière. Et on va aller voir ça sur les simulations et on va voir que finalement le bicablage c'est de la daube et ça n'a aucun intérêt. Alors gardez votre pognon et faites-en autre chose, achetez-vous une bonne bouteille avec ça si vous avez les moyens. Et puis voilà, donc voilà un mythe de l'audio que l'on peut oublier, qui j'espère va mourir bientôt, le mythe du bicablage. Ok, donc on va simuler les différents types de bicablage ici par ces petits schémas. Ça représente simplement une version très simplifiée d'une enceinte deux voies avec un filtre du deuxième ordre calé à 2 kHz, un filtre de Butterworth à 2 kHz, chargé par deux charges 8 ohms, avec juste devant un câble défini par sa résistance linéique et puis une capacité, une sève juste prise comme des valeurs moyennes sur des câbles que j'ai pu trouver ici ou là, de quelques millimètres carrés. Donc, on va voir un peu surtout l'influence de la résistance linéique qui est le facteur principal. Donc, en haut, j'ai la version monocablée. Cette cellule-là, la cellule complète ici, bon, ça, c'est la cellule qu'on va retrouver à chaque fois. Ça, c'est juste le câble de base mis en série. En dessous, j'ai la version double monocable, c'est-à-dire que c'est le même, mais deux câbles mis en parallèle. Ce qui correspond au quatrième cas que j'ai montré, où j'ai acheté deux câbles pour faire du bicablage et finalement, je les rejoins côté enceinte. Ici, j'ai la version bicablage avec le filtre côté enceinte et en bas, le bicablage avec le filtre côté amplificateur. Donc, on va faire une simulation ici. Alors, j'ai fait varier R de 0,1 à 0,1. On va prendre simplement une résistance en continu du câble. On va prendre un ohm, juste pour voir. Donc, je vais me mettre avec des limites plus visibles. 0, 0,25, moins 6 décibels. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? La courbe verte, c'est le monocablage standard. La courbe bleue ici, c'est le monocablage, mais avec les deux câbles mis en parallèle. C'est-à-dire, j'ai mis deux fois le même câble en parallèle. Le bleu foncé, c'est le bicablage avec le filtre côté enceinte. Et le rouge, c'est le bicablage avec le filtre côté amplificateur. Alors, on voit tout de suite qu'il y a des sacrées différences entre les systèmes. Bon, j'ai poussé la résistance linéique d'une manière élevée. Un ohm, c'est beaucoup, hein. Mais bon, simplement c'est pour montrer que l'effet et les différences électriques qui peuvent exister selon les différentes configurations. La courbe verte, qui est la version monocablée standard avec un câble qui a une certaine résistance, c'est simplement il y a une chute de niveau global de ici moins 1 décibel. Ici, comme j'ai 1 ohm et 8 ohms en charge, lorsqu'on est dans les basses fréquences, ben simplement on a 8 neuvièmes de la tension qui arrive au haut-parleur, ce qui correspond à une chute de moins 1 décibel. La courbe bleue ici, c'est la même configuration, mais avec deux câbles en parallèle. Donc, les pertes sont divisées par deux, tout simplement, et puis c'est tout. Les chutes ici sont dues au kappa et au self que j'ai mis au câble. Il faut bien voir qu'ici, la simulation, elle monte jusqu'à 20 MHz. Mais si on s'arrête à 20 kHz, il n'y a aucune différence, hein, il n'y a pas de chute. Voilà où vont se situer les paramètres du câble au niveau des kappa et des self. Il faut bien voir qu'on se situe en dehors
de tout ce qui est audible, c'est simplement au niveau amplification, où ici, non seulement il y a une chute en niveau, mais il y a des variations de phase aussi. Par contre, si on commence à regarder les courbes bleu foncé et rouge, on voit que non seulement le bicablage fournit des erreurs d'amplitude, mais en plus, elles sont différentes selon si le bicablage est fait côté haut-parleur ou côté amplificateur, ou côté enceinte de l'autre côté. Le bleu, c'est le bicablage habituel, c'est-à-dire l'enceinte avec deux prises et il y a deux câbles entre l'enceinte et l'ampli. Mais il y a une bosse à la fréquence de transition qui est 2 kHz, là où les deux haut-parleurs reçoivent des signaux qui sont ensemble. Comme je l'avais expliqué, d'un côté ou de l'autre, comme il n'y a qu'une cellule qui fonctionne, en fait c'est comme avant. On voit bien que la courbe verte et les autres courbes sont superposées dans les graves et dans les aigus. Par contre, là où les deux jouent en même temps, là, ce n'est plus du tout la même chose. Et on voit qu'il y a une erreur d'amplitude due au bicablage à la fréquence de coupure, qui se monte par une bosse, simplement. Voilà. Et alors là, pire, c'est si jamais on fait du bicablage entre le filtre et les haut-parleurs eux-mêmes, là, on a quelque chose de beaucoup plus important. Tout simplement parce que l'impédance du câble est plus grande vis-à-vis du haut-parleur que vis-à-vis du filtre plus le haut-parleur. C'est tout, c'est simplement parce que le rapport entre les deux est plus important et l'impact du câble sur le résultat final influe beaucoup plus. Et le filtre, lui, va se comporter différemment parce que il va avoir à piloter un haut-parleur qui a une résistance supplémentaire additionnelle. Donc, on a quelque chose qui se comporte beaucoup moins bien. Et là, on a une erreur de, ici, 1 décibel avec les valeurs que j'ai utilisées. Donc, on voit bien que le bicablage a un impact. Alors, si on passe, par exemple, à 0,1 ohm, ce qui est déjà un petit peu plus, on va dire, proche des réalités, on va dire, si ici, je vois que à moins 0,25 décibel, ça se joue dans cette zone-là, quoi, moins 0,1 décibel. C'est-à-dire que bon, les erreurs sont, même si elles existent, elles sont négligeables. 0,1 ohm, c'est quand même relativement élevé, surtout si on prend du beau câble. Par exemple, un câble de 3 carrés, ça fait à peu près 15 milliohms par mètre. Donc là, on est à 100 milliohms. Donc, je veux dire, si différences il y a, elles sont quand même vachement faibles. Donc, en fait, en réalité, le bicablage, ça ne sert strictement à rien. Même si intellectuellement parlant, c'est déjà pas bon parce que ça modifie le comportement du système, en pratique, ces modifications sont tellement faibles que c'est comme s'il ne se passait rien. Donc, électriquement parlant, le bicablage n'apporte absolument rien et intellectuellement, ça ne fait même que dégrader. Donc, simplement, faut oublier ce truc et éviter de perdre de l'argent dans ce truc parce que c'est tout simplement un système marketing pour vendre plus de câbles. Voilà, donc voilà le système, simplement facilement simulable avec un simple schéma comme ça, ce qui correspond à peu près à on va dire, une configuration simplifiée. Alors, si on mettait des charges beaucoup plus complexes, on aurait quelque chose de beaucoup moins régulier ici. On aurait simplement des bosses supplémentaires, des trucs asymétriques et tout ça, mais ça ne change rien au principe. Le principe, c'est simplement que le bicablage, par les défauts qui se retrouvent des deux côtés, se retrouve à interférer avec des calculs qui ont été faits en supposant des entrées identiques en entrée de filtre ou avec des haut-parleurs qui ont une impédance donnée qui serait modifiée par les câbles. Donc, voilà, c'est la conclusion. Le bicablage, foutez ça à la poubelle, oubliez, utilisez des bons câbles, des bonnes fiches. La qualité des contacts est beaucoup plus importante. Utilisez des trucs superbes, solides, et bien robustes, bien fiables. Et on a résolu le problème du câblage des enceintes.